Bonjour le France. Je m'appelle George W. Bush. You know, je suis le 43e président des États-Unis de l'Amérique. Mon pays, les États-Unis de l'Amérique, se bâtit sur le plus gros génocide de l'histoire du monde, le massacre des Indiens de l'Amérique. Après, nous faisons la deuxième, la génocide du monde. Esclavage pour le noir. Nigger. Nous sommes le seul pays dans le monde qui qui a jeté le bombe atomique sur des civils. Sushiman. Nous sommes le pays de la mensonge. Toujours nous mentir. J'ai été élu. Fucking language. J'ai été élu en trafiquant le vote électronique. Avant, j'ai pas élu. Ah, j'ai élu. Nous avons organisé l'attentat de le 11 septembre. Jean-Marie Bigard a raison. Pour justifier dans le monde, le pétrole, c'est pour nous. On prend la somme. Nous faisons les millions de civils morts dans le monde au nom de Jésus-Christ. Tu le dis. Le monde W, c'est un cul, tu le dis. La famille, elle a besoin de toi, W. Si on t'a mis président, c'est pas pour pleurnicher, W. Mais tu es là pour faire rêver les gens, W. Tu dois les. Mais tu leur parles de liberté, de la démocratie. Mais plus c'est gros, plus ça marche. Regarde, il y en a encore qui croient qu'on est allé sur la Lune. Hein? On a tourné ça à Oran chez Bénichou. Bon. Tu la veux, ta piscine à vagues dans ton ranch? Va falloir se sortir les doigts du cul, W. Je peux pas t'aider. Et tiens, Condoleezza, allez me chercher des cacahuètes, s'il vous plaît. Et vous les mangez pas, hein? W, c'est quoi le business? On est des fabricants d'armes, W. Le reste, c'est la mandoline, hein? S'il n'y a pas de guerre, on fait comment? On va à pointer au chômage? On en fabrique, W. C'est ça, la business. Mettez-les ici, les pistaches, Condoleezza, merci. Hein? Tiens, asseyez-vous, vous allez écouter ce qu'on dit, hein? Par terre, hein? Tu es gentille, Condoleezza. Hein? Toi, tu es bien brave. Tu es une gentille africaine. Hein?
Ils sont bien lisses, ces cheveux, pour une noire, là. Tu veux faire plus blanche? Hein? Tu triches? C'est bien. Tu es une bonne américaine. Ou alors, on va envoyer un noir au Conseil de sécurité. Ça fait plus gentil, un noir. Ça, c'est une idée. Faudra mettre un noir président un jour. On pourra continuer à enculer le monde tout en souplesse. Hein? On n'a qu'à envoyer l'autre, Powell. Monica, vous me faites monter Powell, s'il vous plaît. C'est un militaire, il va obéir. Mais je sais qu'on n'a pas trouvé. On va lui dire qu'on a trouvé des armes. Entrez! Ah, voilà, Claudine, ça va? Colline, j'ai dit comment? Ça va, capitaine? Général? Général Powell, c'est bien, Hugo. Tu dois en avoir des médailles, toi, hein? Tu en veux d'autres? Je peux t'en donner, hein? Tu l'as, celle avec la tête de Mickey? C'est maman qui doit être fière de toi, hein, Colline? Voilà. Elle est où, maman? Elle est en Afrique, elle est où? En Louisiane? Oui, c'est l'Afrique. Bon, Colline, tu vas aller au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et, calme-toi. Dis donc, oh, je sais, on n'a pas trouvé d'armes. Dis, tu la veux, celle-là? T'as vu, elle est partie, tu l'as pas vue. Bon. Tu veux des médailles, Colline, ou t'en veux pas? Voilà, garde à vous, garde à vous. Il est con, il est merveilleux. Alors, tu vas acheter une petite fiole en pharmacie. Et tu vas mettre du jus de pomme dedans. Et tu vas aller au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et devant le monde entier, tu vas dire c'est l'arme de destruction massive. On l'a trouvée dans la poche de Saddam. Tu fais pas tomber par terre. Parce que si tu fais tomber, ils vont dire, dis donc, il est pas massif, sa destruction. Hein? Allez, vas-y, et quand tu reviens, je te donne la médaille. Hein? Il a compris ce que j'ai dit ou pas?